Bonsoir à tous les temps, amis fidèles à LN TV. Moi, content pour te pour nous deuxième sortie journal là pour semaine ça. Rapidement, qui te présente nous divers points qui a dominé l'actualité. C'est en bas l'obédience Petite Dessalines, une manifestation organisée jeudi 17 février 2023. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles a annoncé lever campé ça sous toute forme qui poil la gain dans le pays. Pendant les GTHCT, Mirland Hippolyte Maniga avec le premier ministre Ariel Henry mettait campé. Fonds National, Organisation Résistance pour Haïti stable et démocratique, présenté le 7 février à retracer l'histoire qui cachait des dates qui sont une date qui marquait 37 l'année depuis la République qui était le régime dictatif pour entrer dans le régime démocratie. C'est le coordonnateur général là, Ousmane Jean, régime démocratie à Haïti, le pays a rien parce que c'est à cause du régime ça et la cause pays a prôné tout le coup de gang à mes amis. Les organisations sociopolitiques parmi eux combinent nous les gars philatéliques et copiers de groupe dans le cadre de sit-in devant ambassade de la France, en occasion du jour 7 février 2023, dans l'idée pour demander l'État à respecter la Constitution 1987. Là, il y a d'autres protestataires qui ont voté GTHCTA qui s'est au Conseil de transition. Parti politique émergence patriotique dans voie coordonnateur général René Civil, voté GT au Conseil de transition HCT pour parti. C'est toujours le même discours qui toujours apprôné sans pas jamais aucun changement qui fait dans la vie nationale. Là. Si tout l'air considéré, c'est international là qui toujours choisit. Pour diriger le pays. Ça qui vient rendre la population impuissante face à la situation chaotique. C'est ensemble qu'on s'aura quand il y a des amis téléspectateurs qui peuvent développer et débrancher par déplacer. C'est là ce que toujours été branché, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal là. C'est en bas l'obédience Petite Dessalines, une manifestation organisée jeudi 17 février 2023. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles a annoncé lever campé sous toute forme qui pral gain dans le pays. Pendant l'IGT, HCT, Mirland Hippolyte Maniga avec le premier ministre Ariel Henry mettait campé. Il voulait jeter bien loin, manœuvre pays Canada sous situation sécurité pays. Ça fait 37 ans. 37 ans depuis que papa ici, t'es levé campé en un seul homme pour te dire à pas de dictature. Et mais après 37 ans, ça, nous avons dictature là, retourner sous l'autre forme. Dictature qui était là en 1986 là, c'est ton dictature côté où tu as battu les gens à coups de bâton. C'est ton dictature côté que les gens battent droit à la parole. Et mais nous, aujourd'hui, oligarchie économique corrompue, mélange ça marqué politicien ferré corrompu, mélange ça marqué petite couche dans l'international là, mettez-nous sur notre forme dictature encore. Dictature qui est journée aujourd'hui. Haïtien pas jouer cette fois-ci. Haïtien va se libérer pays. Yo va nous battre. Yo va nous couper. Côté on monte cheval. Yo monte sur nous. Soldats, policiers. Yo va nous tout couper. Yo humilie nous devant la caillou. Parfois, yo sanctionne esclaves. Parfois, yo dit on veut venir la caillou. Parfois, c'est que comme nous demandons pardon. Parfois, yo dit nous tout calé de bagaille. Yo attaquer nous. Yo tient dans nous. Mais ça va empêcher l'organisation continuer. Yo dit on nous petite de Saligno. Papa ici, nous venons rejeter la décision à Ariel Henry pour installer soi-disant au Conseil de transition. Pareil ça, c'est la communauté internationale qui a fait manœuvre pour organiser l'élection publique.
pour y regarder si elle mettait président. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas capable. Deuxièmement, nous demandons payant, les faits campés, Ariel Henry, après 7 février, pas qu'arrêter dans cette payant, parce que pas que monde qui fait confiance. Dans l'occasion ça, peuple haïtien, nous demandons, Marie-Saint-Tinon, mobilisation, nous arrivons dans la dernière phase. Ils ont fait tentative pour envoyer les soldats ici, ça va marcher. Nous-mêmes, petite de Saligno, nous-mêmes, peuple haïtien, c'est la paix nous besoin, c'est la stabilité nous besoin, c'est l'élection nous besoin. Mais ce n'est pas n'importe quelle élection, non, ce n'est pas avec Ariel Henry, non, et c'est la démocratie nous besoin. Peuple haïtien, nous grands, ils ont fait nous toute qualité pareil qui mal, mais nous résister. Ils ont traîné nous dans la boue, mais nous résister. Jotia, peuple haïtien montre son grand, et c'est ça que fait, la travail pour libérer les pays. Et cette fois-ci, mobilisation, peuple camper, la presse parler, la presse écrit. Nous remercier, vous, peuple haïtien, dans tous quatre pays qui étaient campés aujourd'hui pour montrer que son vrai peuple qui compte ça ouvrir. Peuple haïtien, qui met la balague, mouvement, pas camper dans la route. Et nous annoncer toute qualité de mobilisation pour le fait d'un payant pour le contrer la guerre, remettre payant. Il y en a qui peuvent se mettre en dictateur. Il y en a pas de moi ici qui fait confiance. Il n'y a pas qu'à mettre tout le monde en confiance pour sécurité. Il n'y a pas qu'à mettre tout le monde en confiance pour la paix et pour l'élection. Mais ça, il est obligé de sortir, quitter la tête payant pour nous-mêmes à ICO, nous organiser nous pour nous joindre aux solutions. C'est ça que fait Petite de Saline. Pour parler avec tout le monde dans le pays, tout le monde net, parce que nous-mêmes nous disons, depuis le temps de pays, le monde qui fait nous mal, nous pardonne tout. Le monde qui croit nous fait mal, nous demandons pardon. Parce que aujourd'hui, c'est payant pour nous garder, parce que nous tous faisons plonger. Papa ici, plusieurs organisations sociopolitiques parmi eux Combit, Moliga, Filatrier, Campé Doubout dans le cadre d'un sit-in devant l'ambassade de la France dans l'occasion journée 7 février 2023. Dans l'idée pour demander l'État à respecter la Constitution 1987, là. L'autre bord, pour tester, vous voyez JT, HCT, qui est le Conseil de transition. En suivant, comment ça a été avec Frédéric Pierre et Pipras Blanfort. Mouvement est obligé de fond camper par rapport à ce qu'on t'étend. Fin d'année a fini. Mais je dis à nous, 7 février, nous comptons 7 février ça, et pas de jour pour nous dans la rue. Son jour pour te bon président outé avant ça pour te vinn bay pardon un an mais qui ça commence faire mais malgré ça ouais gang yo kebe paye en otage pas gain élection faite administration l'état écrasé la justice écrasé ou est la police son bagage qui démantibilé ou est jodi c'est même gang ça yo pendant 13 ans qui toujours là ouais c'est gang BHTK yo avait dit ouais pas chambre gain élection faite et ben c'est ça fait jodi à nous même bataille la relance son corps nous te dit bon a bon rassemblement qu'a fait devant l'ambassade de France et pour vinn parler à monde ça tout. Ou jeune le Canada, ou jeune la France, États-Unis, moun sa ou se yo qui me paye en otage qui mette Ariel Henry ça la jodia. Pas un tweet qui met gang ça. Et Ariel Henry, tout moun connaît son nèg, nous la cité dans tout zakan dans le pays. Ou a jodia ou cochonel, yo mouton bagay kele HTC, on bagay gang ou quoi, trois volets. Trois gang ça ou tout moun connaît yo. Lo jeune secteur privé a comme yon gang. Lo jeune gang sort dans la rue qui a fait kidnapping, c'est même moun sa ou. Lo jeune ou quoi, yo mouton koumi nan naniga encore. Ou a femme ça ou quoi, son moun se sous sang. Ils ont toujours habitué pour prendre pouvoir. Où est 88? Où est ce sous 100 pour prendre pouvoir encore? Où est aujourd'hui 2023? Où est aujourd'hui encore? Où est ce sous 100 barrettes? Mais comme grand monde vicieux ça, qui date la travail, il a toujours été grand goût. Un grand monde qui 600 aujourd'hui c'est pour ouais. Malgré Éric Jean-Baptiste comme un monde qui était dans parti là, un monde qui était très fort, qui t'a mené parti là, où elle mourit, même ça va même mandat enquête pour lui. Lui même dit c'est pas Ariel qui tue elle. Lui même dit pas PHC qui tue elle. C'est sa femme dit famille Éric Jean-Baptiste. C'est pour poursuivre Milan Naniga parce qu'elle compte le monde qui tue Éric Jean-Baptiste. Ça veut dire que pour ce pays, nous devons dire Milan Naniga comme un monde nationaliste qui compte conscient. Si Milan est contre conscient, c'est pas ça qui va la coucher aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons dire Milan comme une réserve. Milan n'est pas qu'une réserve pour le pays. Milan est un monde qui est choué.
Milan, soit dans le commun, on a formé Moun, à la génération Moun Milan formé, à la partie Milan, non, son parti toujours en faiblesse. Côté jeune ça, côté université ça, on croit que Moun comme professeur de Moun Milan, on dit, on donne comme, il y a une réserve, on croit parti là, où est son parti, qui demande tribulé, de bien après là, mais Maniga Moui, où elle veut bâtir, il y a une seule bagarre du peuple là, je dis à jeune garçon, à jeune femme, il faut qu'on prenne responsabilité. Moi-même, toujours dis, pas quoi dans le leader politique. Bab quoi l'on changement pour pays, et ça fait même malgré de toute bataille, mettre en holocauste pour m'goumer. Malgré des persécutions, mais chaque fois qu'il y a un carré, machine de parfumé, sans plaque, altiratement des boumés, mais bab toujours dans l'arrière. Parce que moi-même, je suis en gang ghetto, je suis en damas, maman me sont malheureuse, parce que je connais mis malheureuse dans le ghetto. Et ça fait moi-même mentalement mes batailles là, nous dis peuple là, je dis à la, leader politique pas camino, parce que toutes ceux qui racontent, abonnent notre vicieux. C'est intérieur, Chachel. Le 7 février, son date, nous avons supposé célébrer, à contempler la journée démocratie là, car nous. Pour qui ça, l'ambassade de France? C'est parce que, quoi groupe là, ambassade de France, ambassade États-Unis, Canada, c'est eux que la cause dérive pays arrivé là. C'est parce que c'est une raison nous-mêmes, en tant que porte-parole, Ramaka, Rassemblement, ministre engagé, qu'à vous faire, à toute l'autre organisation, nous tête collée, nous organisons cette situation pour nous dénoncer l'ingérence internationale là, à faire sous dirigeants haïtiens et sous population haïtienne. C'est pour raison ça qui fait nous organiser cette ambassade de France. Parce que 7 février, c'est date côté peuple haïtien a choisi pour la première fois après la dictature du Valier Isla, le président. C'est date ça, nous-mêmes la caille, nous côté, nous avons porté investiture, le président qui est le 16 décembre pour la première fois dans l'élection, à savoir Dr. Jean-Baptiste Aristide. Mais 7 février, Occident imposé, nous fêter date ça. Parce que vous connaissez qui sa date ça représente pour nous. C'est pour l'une des raisons qui gangsterise tout le pays d'Haïti. Une façon pour nous oublier date ça. Peuple haïtien pas besoin d'autorisation pour lui aller à bas kidnapping, à bas Ariel, à bas PHTK, à bas insécurité, à bas la vie, à bas cachet. Nous pas besoin d'aucune autorisation pour nous dire nous bouquer à une gang qui fait payer tout le monde au champagne. Pour nous respirer, nous ne vivre. Je dis, je tout le monde pour dire, c'est février 91, nous avons pour la rue contre dictateur, contre insécurité, contre mon la vie l'a mené. Je dis, c'est février 23, nous gagnons un grenègue qui est contre tout le bagage de pays. Un grenègue que la communauté internationale a fait l'ordre pour craser le peuple. Fait l'ordre pour réduire le pays à l'ayant, by Lord, pour faire gang, empêcher de vivre le pays. Nous disons, 7 février 2023, c'est assez, nous bouquons. Nous demandons avec mouvement élève qui prend en politique, ce n'est pas un mouvement qui est en politique, mais c'est un mouvement qui songe, c'est sa paix élève locale, nous songe premier, c'est, et nous disons, je suis bien. Nous connaissons le kidnappé, pas seulement journaliste, nous devons dire qu'on fait ACT, nous demandons est-ce que ACT ça lui-même est capable de déboucher sur sécurité? Est-ce que ACT ça lui-même est capable de déboucher sur circulation? Tout élève l'école capable de monter camionnette, monter bus, à l'aise, puis à l'activité. Nous-mêmes, revendication par nous, c'est abat insécurité, revendication par nous, c'est libération, c'est circulation pour tout élève, pour tout professeur capable de faire activité normalement. Viva Haïti, par une conférence pour la presse jeudi 7 février 2023, dans l'idée pour expliquer le moment silencieux pendant le dernier jour. Pour Timothée fait connaître divers acteurs politiques qui demandent yo mettre ensemble yo pour jeter Ariel Henry déjà, mais yo même yo pas entré dans logique ça parce que yo fait mouvement ça yo déjà ces réseaux si là qui fait yo te fait silence pendant yo fait connaître yo pas dans ces collés à aucune déclaration gang parce que en pile dans bandi à costume ça yo ses affaires personnelles yo y a défendre dans gouvernement en place là en supplice état dans micro Gadi Bartelmi à Kakerine Pierrefil expliquer absence nous pendant quelques jours moun pa attendre nous mais nous gen trois bagages pour nous dire pour ba là n'a dit avec peuple haïtien bon paquet leader politique parti politique qui te rencontré avec nous qui mande nous comment ka mettre force nous ensemble pour nous jeter Ariel nous même nous dit nous pour jeter Ariel et comment n'a remplacer Ariel.
tout le monde a dit nous c'est l'un fin jeté Ariel n'a compte qui est ce qui a remplacé. Alors que film ça nous jouons déjà sous Matin. Nous sommes joués là avec Jovenel, il n'y a pas aucun résultat. Nous même nous pour Ariel aller. Mais faut compte qui est ce qui a remplacé Ariel et faut participer tout dans monde qui a metté à l'autre monde remplacer Ariel. Donc puisque il pas qu'à montrer nous comment n'a remplacé Ariel, nous avons décidé pas de participer là-dedans. Deuxième raison qui fait nous-mêmes nous faire silence. Vive Haïti clair. Depuis gang a parlé en parole, Vive Haïti pas jamais gain parole ça. Depuis gang gon revendication, Vive Haïti nous clair, nous pas gain revendication même gens avec gang. Et troisième bagaille qui te fait nous faire silence. Et tout journaliste là comme ça, c'est pas acheter nous, c'est pas vendre nous. C'est dit vinn di pito. Conseil de leaders politiques. Depuis nous, nos revendications. Depuis nous, nos mouvements peuple. Vive Haïti, peuple là-dedans. Et nous voulons nous clair sur ça. Des leaders, depuis nous, un côté. Depuis qu'il y a pas long parole ça y est, pas parole, Vive Haïti. Parce que tout le monde connaît clair, c'est pas l'élection qui a géré, c'est pas le personnel qui a géré. Il n'y a rien de pays là-dedans. Et nous ne venons pas de aucun nègre qui vient faire richesse sur Ariel, qui vient riche dans Ariel, qui a un ministère dans Ariel, qui a tout le bagage dans Ariel. Pour bagarre la passer mal, il a pris pour jeter Ariel. Et qui jeter Ariel? Pendant qu'il a pris pour dire sous jeter Ariel, PM sous un bon, on frappe. Pas fatigué, non, on est politique, n'a fait. Il va être pas dans la démagogie, ça. N'a jeté. Nous en face. Nous pas en face, tout, nous pas en face. Donc par rapport avec le scénario, ça, qui t'a dessiné là, il va être obligé de faire silence. Et dernier bagarre, m'a dit, nous songez Ariel monter pour Gaza. Nous même tous nous des machines. Puis Gaza arrive sous nous. Comme si je dis là, pour leader politique, encourager peuple, boule écraser pays. Et puis je dis à résultat final là, et puis Gaza y a la cap vendre pompe, et même les pichés dans la rue encore. Ça veut dire tout dégâts fait. Et vous me dites pour qui ça? Et vous me dites pour qui raison? Nous te connaissons très bien ces campagnes électorales nous avons fait. Et vous me dites que nous avons fait un meeting pour nous mener nos batailles, et puis pour nous camper derrière nos élections, mais nous n'avons pas besoin de faire pays à pays ça. Et je dis à ces prix Ariel là qui passait, que nous même au niveau de Haïti, nous vexons. L'autre bord, Bureau DG, qui est coordonnateur général Vive Haïti, dit qu'il a campé derrière le conseil de transition qui pral permet bon j'ai élection faite dans le pays ya, depuis après 12 années. Pour ça, il a demandé pour tout acteur dans la vie nationale là, chita ensemble dans un vrai dialogue qui a privé joindre une solution à la crise politique du pays. Ya. Plus de détails dans le micro Island TV. Mouvement est obligé de fond camper par rapport pour nous t'étendre. Fin d'année a fini. Mais je dis à nous, 7 février, nous comptons 7 février ça, et pas de jour pour nous t'étendre dans la rue. Son jour pour te bon président, nous avant ça, pour te venir bail pendant un an, mais qui ça a commencé à faire. Mais malgré ça, ouais, gang yo, yo qui paye en otage, pas d'élection faite, administration de l'État crasé, la justice crasé, ou est la police son bagage qui démantibile. Ou est je dis à ces mêmes gang ça yo. Pendant 13 ans qui toujours là, ouais, c'est gang de HTK, avait dit ouais, pas chambre d'élection faite. Et bien c'est ça que je dis à nous-mêmes, bataille à relance encore, nous te dit, bon, à bon rassemblement qu'a fait devant l'ambassade de France. Et pour nous venir parler à Mounsa autour, où je le Canada, où je la France, États-Unis, Mounsa au Seyo qui me paye en otage, qui mettait Ariel Henry ça là, je dis. Pas un tweet qui met gang ça. Et Ariel Henry, tout le monde connaît son nègre, nous l'avons cité dans toute Zakan dans le pays. Ouais, je dis à Cochonel, il y a un mouton bagaille qui est HTC, un bagaille gang encore, trois volets. Trois gangs, ça, tout le monde connaît. Le jeune secteur privé a commis un gang. Le jeune gang qui a fait le kidnapping, c'est même le monde. Le jeune encore, il y a un monde qui a commis un encore. Ou est femme, ça encore, son monde, c'est sous sang. Il a toujours habitué pour prendre le pouvoir. Ou est 88. Ou est c'est sous sang, il a pris le pouvoir encore. Ou est aujourd'hui en 2023. Ou est aujourd'hui encore. Ou est c'est sous sang, barrette. Mais comme grand monde vit sur ça, qui date le travail, il a toujours été grand goût. Un grand monde qui 600 aujourd'hui, c'est pour ouais. Malgré Eric Jean-Baptiste comme un monde qui était dans la partie, un monde qui était très fort, qui t'a mené la partie là, où elle mourit, même si elle va même nous enquête pour lui. Lui-même dit que ce n'est pas Ariel qui tue elle. Lui-même dit que ce n'est pas PHC qui tue elle. C'est sa femme dit, famille Eric Jean-Baptiste, c'est pour poursuivre Milan Naniga parce qu'elle compte le monde qui tue Eric Jean-Baptiste. Ça veut dire que pour ce pays, nous avons dit Milan Naniga comme un monde nationaliste qui compte la constitution. Si Milan est contre la constitution, c'est pas ça qui va la coucher aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons dit Milan comme une réserve. Milan n'a pas qu'à réserve pour le pays. Milan sont des gens qui échouent.
Milan, soit dans le commun, on a formé Moun, à la génération Moun Milan formé, à la partie Milan, non, son parti toujours en faiblesse. Côté jeune ça, côté université ça, on croit que Moun comme professeur de Roumine dans Nigaïo, on dit, on donne comme, ils ont réserve, on croit parti là, t'es où est son parti, qui demande tribulé, depuis après là, mais Maniga Moui, où elle veut bâtir, ils ont seul de la gamme du peuple là, je dis à jeune garçon, à jeune femme, il faut qu'on prenne responsabilité. Moi-même, toujours dis, pas quoi dans le leader politique. Bab quoi l'on change pour le pays, et ça fait même malgré de toute bataille, mettre en holocauste pour m'goumer, malgré des places qui sont. Mes amis téléspectateurs, nous arrivons dans le moment de deuxième pause, nous avons été branchés par des places. Merci à ce que toujours été branché, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pour la meilleure information. Coordonnateur général, parti politique émergence patriotique, là, René Civil, fait connaître ces situations 86 là, dans la vie journée jeudi. Dans ce sens, il est indigné par rapport à la situation difficile. Côté aucun droit pas respecté, pas même la justice dans le pays. En supplice, explication dans le micro, Fredine Pierre, à Kerkerven, Loriston. C'est depuis 86 dans l'Est, à côté de ma parole. Le peuple a été senti en liesse parce qu'il y a une dictature de féroce dans toute dimension qui est tombée. Nous avons vu un grand pays sans dirigeant, il n'y a pas aucun dirigeant légitime, ni qui était dans le pouvoir, pas d'institution démocratique. Le pays a été dans l'anarchie, le peuple prend ma coute, l'armée prend mon monde, c'était des ordres généralisés. Jour pour jour, les pour les côtés, ma parole là. Jodia, 7 février 2023, nous tournons dans le même cas de départ. Je dis côté ma parole là. Pays a 100 hommes qui élu dans tête li, qui légitime dans tête li. Institution démocratique qui tombe, c'est anarchie. Pas de monde qui bail tête de sécurité, la police encore qui t'a de bail sécurité dans la nan problème et nous ça passé. Pays a porté ma parole là, c'est sauve qui paie. Ça veut dire, nous tournons dans poste 86 encore. C'est un recul qui, je dis, qui indigne nous-mêmes dans l'émergence patriotique. Parce que l'État fait bataille pour 86, l'État nous fait 86, c'est un nouveau espoir. Nous t'es pensé, nous t'as parlé plus loin que côté nié, je dis. Et ceci tellement vrai. Gade Rwanda qui fait gros sacrifice la Kali, guerre civile la Kali en 94, après 86, gade côté Rwanda. République Dominicaine, c'est après 90. Gade côté yoy. Nous-mêmes, en tant que peuple, gade côté nous qui fait un pile bagay dans le pays, dans le monde là. Parce que c'est nous qui jeté dictature la Kali nous avant, tout l'autre pays suivent nous. C'est nous craser le système esclavagiste là, tout l'autre pays suivent nous. C'est nous qui prêchons le vrai système socialiste là, qui connaît moun, qui connaît moun, qui connaît sacré les humilité, sacré les collectivité. Mais je dis à, où est-ce que passé? Nous, maintenant, il est à nous. Je dis à, si m'a fait panorama situation pays là, c'est vraiment difficile. Nous pas capable de na vivre non nation bien non état nation. Na vivre en côté, côté vie moun, pas respecté, droit moun, pas respecté. Tout droit physique, droit social, droit économique, droit culturel, nous presque dit nous dans l'anarchie. Jodi a nèg la kayli, deux trois machines la police débarqué, 20 nèg en civil, yo prend ya la. Débarqué, yo tiré la kayli. Contingent policier a vini, nèg en civil, touye yo, pa gen personne. Kote m chita m ap pa la vola, n'importe nèg ka vini na pran la vola, pa gen aucune force pour ele comme légal.
Parti politique émergence patriotique toujours dans voie coordonnateur général yo René Civil voyez jeter au conseil transition HCT pour parti ça c'est toujours même discours qui toujours a prôné ça pas jamais gain aucun changement qui fait dans vie nationale là c'est tout là considéré c'est international là qui toujours choisi moun pour diriger pays ya. Ça qui vient rendre population impuissant face à situation chaotique yo en surprise détail toujours dans microphone d'une Pierre à Kevin Loriston pays Haïti je connais Zanset nou yo, tout pays dans Caraïbes là dans Amérique latine là, a dit nous merci, nous aider au vin pays et jodi a pour nous les haïtiens, nous accepter vivre, fonctionner de telle manière. Qui donc, je me sens indigné. Et vraiment indigné nous même dans l'émergence. Qui donc jodi a yo mettez à céder. Qu'est-ce qu'on peut attendre à céder? Moi même moi dit, m'pa entendre rien. Bah, attendant rien, parce que ce sont toujours les mêmes discours, les mêmes écrits, les mêmes accords, les mêmes projets. Bon, nous prenons acte, et à travers des actes, nous attendons action, parce que il est temps pour que nos dirigeants, nos hommes et nos femmes politiques, nos concitoyens, passent de la parole aux actes. C'est ce que nous attendons. Qui donc, devant la situation pays, ça 7 février 2003, 37 ans après, nous lançons appel à la prise de conscience. Et impatiemment, nous-mêmes dans l'émergence, nous attendons de combattre l'insécurité à outrance, violence à outrance. Donc, jeunesse là a subi. C'est inacceptable. Qui donc, je dis, nous ne sommes pas capables de parler plus de ça. Seulement, nous croyons, si tu es un citoyen honnête, si tu es une classe politique qui a une humilité, qui t'a bataille pour le bien-être collectif, qui t'a grand pile patriotisme. Si t'a gagné des hommes au pouvoir, qui t'a connu des serviteurs, qui t'a défendu la souveraineté nationale, le bien collectif. Si t'a gagné un monde dans la société civile là, si les universitaires, la jeunesse, t'a comprendre la réalité, je dis à son assise, nous t'a lancé pour nous poser les vrais problèmes nationaux. Garder Haïtien avant d'y valier. Haïtien ak pays pendant Duvalier. Gardez Haïtien ak pays après Duvalier et Haïtien ak pays pendant jodi a pour te poser problème yo, pour nous te mettre querelle, division de côté. Pour nous te mettre intérêt de groupe, de parti ou de classe ou bien secteur de côté. Pour nous te mettre intérêt gouvernement, intérêt international de côté, pour nous te mettre Haïti au centre de nos intérêts pour nous déposer problème là pour nous te répartir parce que nous dans post 86 pas gain moun eli pas gain institution démocratique peuple là dans l'anarchie yo dans la misère taux dollar monté c'est un peuple sacrifié nous te doit conscient jodi a pour nous te font assise pour nous répartir. La information, amis téléspectateurs, Fonds National Organisation Résistance pour Haïti stable démocratique présenté le 7 février, a retracé l'histoire qui cachait des dates ça, qui c'est une date qui marquait 37 l'année depuis la République a quitté le régime dictatif pour entrer dans le régime démocratie. C'est le coordonnateur général là, Rosemont Jean, régime démocratie a pas été le pays en rien, parce que c'est à cause du régime ça qu'il a cause pays à connaître tout le groupe gang armé ça. Et notre bon coordonnateur a continué à réclamer justice pour ce président Jovenel Moïse, 19 mois depuis les mouris. Plus explication dans le microphone d'une Pierre à Kakaven Loriston. Après 37 ans, 7 février 1986, 7 février 2023, ça va nous environ 37 ans, pas vrai? 37 ans de corruption. 37 ans de destruction au point de vue intellectuel. 37 ans de destruction de la production nationale. 37 ans de destruction de la famille. 37 ans de destruction de l'université de l'État d'Haïti. 37 ans de destruction de l'institution de sécurité pays. 37 ans de destruction structure économie pays. Nèg qui soi-disant dit qui t'a défendre démocratie
yo riche yo même yo riche petit tu al prend les formations à l'étranger yo multimillionnaire au détriment majorité pays 7 février 86 jodia nous toutes faites pour nous reconnaître c'était une date madichon et qui madichonné pays a en pile monde te prend ou libre pour yo dire c'était démocratie oh c'est parce que nous pas dans système dictature nous pas contre ça qui t'a passé qui fait jodi qui fait des deux monde qui cap cracher sur 7 février jodi à conférence nous bay matin nous pas seulement cracher sur 7 février mais nous vomi 7 février 2021 7 juillet 7 février 2023 19 mois côté gon ensemble de voyous gen ensemble de délinquants gen ensemble de prostituées politiques gen ensemble de prostituées intellectuelles qui bay tête yo tout non qui gen tout privilège pour entrer dans tout salon qui gen moyen communication nan men yo qui gen moyen radio ou te gen moyen télévision yo gen moyen l'argent yo kokopte yo met toute capacité intellectuelle yo ensemble pour yo te planifier l'assassinat yon paysan qui j'ai décidé de venir servir pays qui sacrifier madame petite lui qui sacrifier entreprise lui qui sacrifier saleté gagné et puis il dit la vinn bay pays a yon coup de main et paysan ça a tiré les nèg banan nan paysan ça en pile moun te discriminé parce que c'était un petit paysan qui te relé Jovenel Moïse. Les amis téléspectateurs, c'est mon troisième pouce là. Il était branché, pas déplacé. Merci là, ce que toujours été branché, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après prise là, mais les informations. Adetra, qui c'est une institution qui a demandé justice pour le président Jovenel Moïse, dit qu'il signe un accord 21 décembre, gouvernement en place là. D'après Mackinson, mes téléspectateurs, nous venons un moment pour mettre un bout avec le journal là pour jeudi. Et avant nous aller, quittez nous rappeler tout le monde. C'est en bas l'obédience Petite Dessalines, une manifestation organisée jeudi 17 février 2023. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles a annoncé lever campé ça sous toute forme qui poil la gain dans pays a pendant les GTH c'était Mirland Hippolyte Maniga avec premier ministre Ariel Henry mettait campé. Pour national organisation résistance pour Haïti stable démocratique présenté bilan 7 février
à retracer l'histoire qui cachait des dates ça qui c'est une date qui marquait 37 l'année depuis République là qui était régime dictatif pour entrer dans régime démocratie. C'est le coordonnateur général là où je mange régime démocratie à pas utile pays à rien parce que c'est à cause régime ça et la cause pays à prendre tout de plus grand armée ça. Les organisations sociopolitiques parmi eux combinent nos gars filatures et copies de groupe dans le cadre de sitting devant l'ambassade de la France en occasion journée 7 février 2023 dans l'idée pour demander l'État respecter la constitution 1987 là. Et l'autre bord protestataire ouvrier GTH, CTA qui s'est au conseil de transition. Parti politique émergence en patriotique dans voie coordonnateur général yo, René Civil, ouvrier GT au conseil de transition HCT pour parti A. C'est toujours le même discours qui toujours apprôné sans pas jamais bien aucun changement qui fait dans la vie nationale là. Si tout l'air considéré, c'est international là qui toujours choisi le monde pour diriger le pays A. Ça qui vient rendre la population impuissante face à la situation calamiteuse. Ça va se me conseiller à quand pilote qui t'est développé, qui t'est branché télévision à LNTV pour la programmation. Bye bye tout le monde.